Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo sur Soccer Royale. C'est un plagiat de Clash Royale, mais vous avez jamais vu ça, l'éditeur n'a pas respecté Supercell totalement. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, sinon je dirais pas du mal comme ça. Mais quoi qu'il y a peut-être des bonnes choses dedans, donc je propose qu'on le découvre ensemble. J'ai juste fini, enfin non, et encore, je sais pas si j'ai fini le tutoriel. Alors attendez, ouais, allez, allez, tac, on... oh, voilà, je tire. Alors en fait, bah, c'est un jeu de foot, donc il y a, voilà, hein, faut marquer des buts, tout simplement. Ça, jusque-là, vous comprenez. Maintenant, il y a des cartes, en fait, qui transforment un peu vos joueurs. Alors, je vous dis juste, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait une demi-game avant de vous en parler. J'ai juste vu un petit peu le principe. Il y a le principe d'amélioration des cartes, tout ça. Alors, attendez. Alors, par exemple, je vais prendre, je sais pas, moi, je vais prendre, voilà, cette carte-là. Je la mets sur ce joueur-là. Ensuite, je tire mon truc pour viser comme ça, un peu comme au... J'ai envie de dire un peu comme sur un jeu de billard. Oh, par contre, j'ai fait time out, donc j'étais trop lent. Par contre, voilà, là, il faut être plus rapide quand... Quand c'est son tour, c'est un jeu tour à tour, ça vous l'avez, voilà, ça vous l'avez compris. Ouh là 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 là. Là, faut tenter tout de suite de marquer. Donc là, on va faire juste sans prendre une carte spéciale. Oh là là, le but! Le but tout facile. Il est pas content. Il y a là des emotes, pareil, plagiat les emotes. Ok, très bien. Normalement, c'est son tour là. Hein. Voilà, ok. Donc lui, il a un gros personnage. Donc il a une carte qui rend en gros son personnage. C'est un peu transformé en géant. Maintenant, moi, je vais juste. Je vais juste pousser lui, je pense. Voilà. C'est marrant, c'est qu'on peut shooter pas que la balle, on peut shooter les joueurs. Voilà. Et ils ont des aptitudes. Donc je crois que celui-là, là, le gros que j'ai moi, là, il peut stun, il peut. Ouais, il peut stun des personnages autour de lui pendant 2 tours, de ce que j'ai lu sur la carte. Voilà. Alors là, je joue sur émulateur. Ah, attendez, je peux. Voilà, je vais faire le gros aussi, parce que le géant, c'est un peu lui, là. Je vais aller dans le. Ouais, je vais le taper dedans comme ça là, voilà, je les pousse un peu là, comme ça je les empêche. Je joue un peu la def, je les empêche un peu d'aller marquer là. Il sait pas quoi faire. Alors on peut jouer aussi pendant qu'on lui il prépare son tour. En fait, on peut prévoir une action, genre, si vous voulez qu'un défenseur il se mette devant les buts, vous anticipez un tir de leur part. C'est à moi là ou pas? Ouais, je crois que c'est à moi. Je vais juste. Ouais, ça fait pas grand chose. On est un peu keblo là. Faudrait qu'il pousse la balle un peu là. Et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Alors le. Il y a des. Je crois qu'il y a comme des sorts, le doigt là, je crois qui, je sais plus si c'est le doigt qui augmente, qui fait effet de rage sur. Alors attendez, on va tester le Diego là, voilà sur lui et on va se mettre un peu en biais comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire rentrer la balle? Oh dommage, non, mais ça a pas touché la balle en fait. Ok. Alors après l'élixir, j'ai pas fait gaffe là, comme il remonte ou pas. Après je vous montre, il y a des coffres et tout machin. Pour l'instant on est bien, il reste 10 secondes donc normalement on va la win, hein. C'est à moi là, moi je joue la montre. Oh, c'est dégueulasse de jouer la montre. Oh, je fais genre, voilà, tac. Je fais ça, après je fais ça, et après je joue la montre, et j'ai gagné. Oh, c'est abusé! Ça c'est sale, ça c'est sale. On a battu un Espagnol. France et Espagne, 1-0. Beau match, du coup on a récupéré un coffre. Et il est gratuit ou pas? Ah oui, il est gratuit, c'est les premiers, ouais. Je suis encore dans le tuto. Ouais, je suis encore dans le tuto, très bien. C'est les petits coffres en bois du début, tout pareil, hein. On va l'ouvrir. Alors. Donc il y a de l'or, donc l'or pour améliorer les cartes, pareil, comme sur CR, les gemmes, bah on sait ce que c'est, hein, pareil. Et là, voilà, j'ai 2 cartes communes. Ok, carton jaune, oh, je sais pas ce que ça fait le carton jaune, on va voir. Engie, ok, une carte rare, très bien, donc on a débloqué une nouvelle carte, formidable. Et du coup, ben voilà, hein, pareil, hein, vous voyez l'interface, bah là, pareil, les cartes, les decks. C'est quoi ça, Crest? Hein, je sais pas ce que c'est, ça, line-up. Ah, on peut choisir la formation. Oh, pas mal! Et il y a peut-être des autres formations qu'on peut débloquer après, vous pensez? 1-4-0, 1-3-1. Moi, je vais rester en 1-3-1. Ok. Et le deck? Et le carton jaune, il fait quoi alors? Alors. Reduce an action point to all players inside the area. Alors. L'action. Le point d'action. Je sais pas. Bah, du coup, les points d'action, je sais pas exactement ce que c'est sur un joueur. Alors, faudrait que voir. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite jauge. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est quoi ça? Upgrade 1, it reduce the cost of the car. Ouais. Oh là là, je pige rien. Yellow card already doesn't affect two teammates. Ok, faudrait voir. Faut voir un petit peu. Je pense qu'en pratiquant, on va voir un peu à quoi ça ressemble. On va l'upgrader, elle. Je sais pas à quoi elle sert. Alors, indicate the path on the character impact spot. Et, alors, elle indique le chemin. Et. Ok, peut-être ça nous. Ça permet de voir la trajectoire en fait quand nous on vise. Peut-être qu'elle. Elle place la trajectoire où ça va aller, ça peut être intéressant, ça peut être un peu devin au niveau du tir, ça peut être une, on va dire, une aide à la visée, on va dire ça comme ça. Donc pareil, ici
On a toute la famille là, des trucs qu'on connaît bien sur CR, hein, voilà. Acheter des cartes avec de l'or, acheter des coffres. Donc on a quoi? Des super. Donc j'imagine qu'on a de la carte légendaire, j'ai pas fait gaffe. Et on a les arènes aussi, tout pareil. Ouh, il a l'air stylé lui. C'est marrant, mais le design ça ressemble tellement. Là, peut-être un peu moins soigné puisque sur le truc, mais bon voilà. Donc on est dans le training, on est dans le tutoriel, il y a toutes ces cartes là. Et voilà. Et après, il y a les arènes, stadium, favela. Moi je veux le Stade de France! Plus de 500 trophées, plus de 1000 trophées, plus de 1500 trophées. Oh là là, coming soon, Stadium 5. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau. Voilà, et là, les clans, bah, j'en ai pas. Si vous voulez, on en crée un, je sais pas. Peut-être je vais jouer un petit peu. Hein. Ça va me donner... Oh, le gobelin Sarbacane. Regardez, ils ont plagié le gobelin Sarbacane abusé. Oh, truc de dingue, il est là le gobelin Sarbacane. Ah, c'est lui. Oh, pas fait gaffe là, là. Oh là là, ça va loin, ça va loin. Bref, moi je propose qu'on en refait une petite deuxième. Ça passe, ouais, ça passe, ok, très bien. Parce que, alors, des fois, je sais pas, il y a des bugs au niveau du serveur. Hein. J'ai vu hier, je voulais faire une vidéo là-dessus, j'ai pas pu parce que ça, le jeu marchait pas. Ok, alors regardez, lui, j'ai fait une action, mais je sais pas pourquoi. Non, on va pas le faire, on va pas le faire. On va faire ça. En plus, c'est un avantage, c'est toujours moi qui suis. Oh là là, hey, ça, c'est violent quand même hein, de pouvoir faire ça hein, dès le début. Hein. Mais je crois qu'on peut pas marquer un but dès la première action. Je sais pas, on va voir, il me semble. Ok, j'ai pas vu les règles du jeu. Ok, 102 secondes, ok, très bien. Carton jaune? Ça fait quoi carton jaune? Non, je sais pas. Alors attendez, elle, on avait dit que ça fait la trajectoire. On va voir si c'est ça que j'ai compris. Ah ouais, c'est ça, hein. Mais elle va pas toucher, là, si. Ah oui, oh lolo, 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 ah, c'est pas mal ça. Alors, faut il y a des stratégies à réfléchir, hein. Comment virer un joueur et après y aller. Nous on est bien en 1-3-1 là en vrai. Hein. Là parce que là regardez, on est bien, on a encore de la défense. Ok. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie un petit Diego là-bas là. Il va y arriver ou pas là-bas? Oh ouais, il a du mal. Bon, on l'a positionné, on l'a positionné. Attendez, de toute façon on a l'avantage au score là. On la joue tranquille, mais il me faudrait. Oh là là, il me donne une passe caviar là. Oh là, mais là je pars au but direct. Oh là 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 là, ce shoot. Easy là. Passe caviar, merci. On peut pas lui dire merci. Ok, ça fait ça. Ils sont moches les emotes, hein, on est d'accord. Hein. Le reste ça va, mais les emotes c'est un peu moche. Hein. Ah, c'est délire. Hein. Ah, c'est délire ce qu'ils ont fait. Je leur mettrais bien un petit carton jaune, voir ce que ça fait. Ah. À qui je fais un carton jaune à lui? Ça fait quoi? Et alors? Je sais pas, ok. Bon, je vais taper dans le tas, là, avec mon gros... Ok. Pff, je vais faire de la place. Ok. Tourne à 2-0, on est bien, hein. 49 secondes. Ok. Là, il me fait encore une passe caviar, là. Faudrait que je puisse... passer en force, mais je veux pas pouvoir, hein. Ok, là, son cercle jaune, je pensais... Oh, et ça touche pas le ballon, ouais, ce serait un peu cheaté, je pense. Enfin, je sais pas, quoique, je me demande, hein, c'est quoi le truc, mais c'est un peu n'importe quoi, si on peut faire des buts, forcer des buts contre son camp. Oh, mec, il a fait un but contre son camp, en plus. Oh, et 3-0, c'est fini, d'accord, ça va en 3. D'accord, on peut pas faire plus que 3-0. Ah, un petit drapeau. Français, moi. Frenchy. Oh, on vit un moment important, là. Attendez. Player, ok. Non, tu me vires ça, s'il te plaît, là. Voilà. Et tu me mets un bon bibi comme on aime, voilà, et il va me dire ce jeu. Ça a déjà été pris. Non, on s'en fout, très bien, nickel. Mes stats, formidable, zéro trophée. Ah ouais, on était dans l'entraînement. Et on ouvre encore un coffre. Ça, c'est cadeau. Allez, on veut de la nouvelle carte, hein. De la légendaire, d'entrée de jeu. Benju. Ok, un petit Benju. Hammer, mais ils auraient dû faire des personnages qui sont... Ouais, tu me dirais, c'est un jeu loufoque, quoi. J'aurais dû un personnage un peu plus dans l'esprit du foot, mais... Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment... On se croirait dans... Ouais. Vraiment dans CR. Ok, lui, il va level up. Et Hammer, ok. Bon, bah, on n'a pas de nouvelle carte, là. Le Vuvuzela. Énorme. Ok. On va juste upgrader, et peut-être on va faire une... Une petite dernière, parce que je crois que la dernière, elle, ça va pas être le train. Ah là, est-ce que j'étais contre des vrais joueurs aussi? C'est ça la question. Parce que j'étais en terrain d'entraînement. C'est peut-être la première, hein. Alors on va y aller. Ah non, c'est bon. On a trouvé quelqu'un. Voilà. Le cut aura été court. Ok. Quel pays, lui? Je sais pas ce que c'est son drapeau, je connais même pas. Parce que regardez ce que je voulais faire. Lui, il passe au-dessus, mais je crois que j'ai pas le droit de marquer direct. On va regarder. Regarde, je fais ça. Et voilà. Et il me dit un valet de but.
Et apparemment, j'ai pas le droit de faire ça, quoi. Et lui, tu sais, lui, il passe au-dessus des gens, mais il est trop bien ce perso en vrai. Enfin, pour l'instant, ça a l'air trop bien. Ouh, lui, là, eh, ça a l'air sérieux là de le jouer. Là, je sens que je. Ok. Du coup, on va Diego. Go, Diego, go! Allez, et on pousse l'autre un peu là. Oh, ouais. Je sais pas si on a gagné quelque chose. Ah, là, le match, il a l'air plus sérieux là. Ah, le match, ça a l'air plus sérieux là. On est déjà en demi-finale un peu dans l'ambiance. Oh, il va faire un ricochet. Oh, ah, ouais, le mec, il veut jouer tactique, hein. Il m'embête un peu là. Il m'embête un peu. Je sais pas quoi faire là. En vrai, là, je sais pas quoi faire. Je vais débloquer lui, mais. Pas mettre un but contre mon camp. Oh, c'est pas mal. Oh là là, c'était pas mal ça. Mais bon, c'est pas très réaliste quand même. Hein. Là, c'est un peu en ambiance baby-foot. Hein. Attendez. Et encore en mode chelou. Hein. Ok. Là, ça m'a. Ouais. Je sais pas. Est-ce que. Bon, de toute façon, je peux transformer. Hein. Je transforme parce qu'après, il reste là les personnages à périmètre qui sont transformés. Donc, elle m'indique le. Voilà, oh pas mal, pas mal. Ça, ouais, mes positions sont pas trop mauvaises. Là, il va se démerder avec ça, il va avoir du mal, il va être obligé de faire des ricochets chelous. Voilà, il va foncer dans le tas. Oh, oh non! Non! Abusé ça! Non, non, je suis pas d'accord. Le blond, donnez. Ah, il coûte 9 d'élixir le blond! Rendez-moi le blond là! Oh, là, je suis choqué, déçu là. En fait, faut que je prévoie qu'il tire là. Attendez. Il va tirer où? Il va tenter de la passer. Ah ouais, il a tenté! Je me suis dit, mon numéro 2, je voulais le. Enfin, le numéro 2, ça peut être tous numéro 2. Comment je peux les nommer là? Oh, ça pue des fesses. Oh, c'est dur, hein. Lui, qu'est-ce qu'il peut me faire là? Il peut passer là, et il peut me faire un truc. Non, je pense qu'il passera pas. Ou alors. Oh, il va le tenter, hein. Oh, il l'a tenté quand même. Hein. J'ai toujours pas mon blond là. Ah si, 9. Oh ouais, mais là il est. Il faut que je centre. Le centre est pas mal, mais il va pas. Oh là là, 23 secondes, purée. Je vais perdre mon premier match en Ligue des Champions. Oh non. Oh là 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 là. Je tente un coup de maître. 14 secondes, cette fois c'est maintenant. Allez. Oh! 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 Oh, poteau rentrant, le truc de dingue! Oh là là, que ça fait plaisir là! Oh, in extremis, hein? Ah non, ça c'est carrément abusé ça. Ah, invalide! Ah, il a pas le droit, c'est ça. Je pense qu'en dégagement, il a rigolé. Ok. Moi je veux Diego. Allez, Diego, faut que je me fasse un truc un peu. Un extérieur du pied droit là. Extérieur du pied droit! Oh lol, j'ai tenté la même, le petit poteau rentrant là qui passe pas. Ah, c'était chaud, l'angle était très limite mort. Hein. Il était peut-être même carrément mort. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que je fais? Je lui mets un carton jaune, je lui mets un truc? Je sais pas. J'augmente la puissance de mes trucs. J'augmente. Allez. Grosse power. Ouais, mais là, ça va faire quoi là? Attends, je tape dans lui, il tape dans le ballon ou pas? Ah non, il tape pas dans le ballon, purée. Oh là 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 là. Ah, il fait une méconnaissance du jeu encore. Faut tryhard un peu, je crois. Hein. Oh punaise. Oh, il va me mettre un truc. Oh non. Il la met pas. Oh, il la met pas. Oh, il la met pas, il la met pas. Il la met pas. Du coup. Ouais, on va tenter le tout pour le tout là. Allez, beau! Oh non! Oh non, but contre mon camp! Oh! Non, par contre là qu'il va faire, là il va falloir que je fasse, regardez, mon personnage bleu je vais le pousser à gauche parce qu'il va tenter un truc. Regardez. Oh oui! Oh non! Oh non! Oh non, il a tapé sur. Ah non! On dirait là! Ah non! Oh non! 2-1, moins 27 trophées, j'étais déjà à 0, ça picote quand même. Bon ben les amis, je vais continuer dans mon coin là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, Soccer Royal, un bon petit plagiat de Clash Royale. Il y a moyen de rigoler, je pense. Mais voilà, je sais pas. Ça, je sais pas. À voir. Dites-moi si vous y jouez, vous. Pourquoi pas. Donc je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.